Assen et son TT Circuit, la cathédrale de la vitesse comme on l'appelle ici. Cette année, cette cathédrale est aussi le théâtre de la finale de la VFL Cup Power by Hankook. Pas moins de 34 équipages se sont réunis dans la Drente au nord des Pays-Bas pour un dernier affrontement de 8 heures. Et contrairement aux apparences, même dans le plat pays, ce n'est pas en quistax que s'est déroulée la course. Cette course-ci n'a servi qu'à déterminer la grille de départ. Après le fun de la VFN Cup, place à la Cup, à la course, la vraie maintenant, c'est parti pour 8 heures. Qui dit finale d'un championnat dit forcément lutte pour le titre. Largement en tête de la compétition grâce à 4 victoires en début de saison, la 277 Allure Team doit juste se présenter au départ pour s'assurer d'un 4e sacre en 5 ans. La formation liégeoise voudrait terminer en beauté, mais une fois n'est pas coutume, Gilles Debru, Sébastien Kluiskens et Cédric Bollen ne sont pas tout à l'avant du peloton. La faute à des réglages loin des tridéos. Mais peu importe, finalement, après 4h10 de course, la cause est entendue. Explication. On vient de prendre le point à la mi-course, donc on est officiellement champion, c'est super, on a fait une terrible saison. Bon, ici, on n'est pas trop dans le coup, mais voilà, on donne aussi tout ce qu'on a et voilà, c'est terrible sur l'ensemble de la saison. Troisième à la mi-course, la 277 connaît toutefois son premier gros contretemps de la saison durant la 6e heure. Un bris de porte-moyeu puis un problème d'alternateur font plonger le trio Bollen, Debru, Kluiskens dans le classement. Alors, et de manière très symbolique, les trois pilotes demandent à Jean-François Olivier, l'emblématique patron de l'équipe Allure Team, d'assurer lui-même le dernier relais, tout un symbole. Avec 4 titres et 5 victoires au 25 heures VFN Cup, la numéro 277 est une voiture qui restera gravée à jamais dans le livre d'histoire de la VFN Cup. Avec la fin de cette saison 2019, c'est donc une page qui se tourne. Mais revenons à cette course à Assen. Déjà lauréate à Zolder, la 280 Socarden by Milo est de nouveau aux avant-postes. Et pourtant, l'équipage est 100% inédit par rapport à celui qui s'est imposé dans le Limbourg. Lorenzo Doniakuo fait en effet équipe avec le jeune Tom Ransonnet et Benoît Wisnowski pour la première fois intégré à l'équipe. Malgré une neutralisation un peu plus d'une heure avant l'arrivée, le trio a confirmé sa suprématie pour remporter une étincelante victoire. La toute première pour Tom Ransonnet et Benoît Wisnowski d'ailleurs, et assurer la médaille d'argent au championnat. Ça faisait 4 courses que j'étais presque. Comme l'a dit Lorenzo, on n'a pas eu beaucoup de chance pendant la saison. Mais ici, voilà, on a fait une terrible course, que ce soit Lorenzo ou Benoît. Et on a une super voiture. Donc là, je remercie vraiment le team qui a vraiment procuré une voiture de folie. On n'avait plus qu'à bien piloter. Et voilà, on a réussi à bien faire le travail. Et voilà, une première victoire qui fait super plaisir. Une fois encore, la formation DRM Autographe a flirté avec la victoire. Mais il était écrit que 2019 ne serait pas l'année de la numéro 2. Gilles Smith, Wolfgang Reip et Amaury Richard sont toujours restés en embuscade. Mais ils terminent deuxième à Assen. Et troisième du championnat. C'est aussi un autre chapitre de la VFN Cup qui s'est refermé avec la troisième place de la numéro 44, Jack Motors. Personnage emblématique de la discipline, Tom Calmain a lui aussi décidé de faire un pas de côté. Après une lutte de tous les instants, Laurent Jaspers, Timo Van Imp et Mikkel Lenders ont offert un dernier podium au patron de l'équipe Jack Motors, que l'on appelait auparavant MTE. Pour la formation Socarden by Milo, cette finale a été prolifique. En plus de la victoire de la 280, on a vu la numéro 149 avec le poleman Kevin Capraz, Benjamin Kuyvers et Christophe Nivarley terminer au pied du podium dans le sillage direct de la numéro 44 Jack Motors. Également en lutte pour cette plus petite marche du podium, la numéro 289 de Kevin Balthazar, Romain Degère et Mats Brekpot complète finalement le top 5. Dans le classement fun, soit les équipages sans pilote Top Gun, la numéro 65 Leader Racing de Paul Theisgens, Mardin Benjamin et Nigel Verhaeren a rapidement perdu tout espoir à cause de problèmes de boîte de vitesse. Avec le renfort du Néerlandais Loris Hesemans, la numéro 292 Come To You Racing de Maxime Lieutenant, Gilles Verleyen et Tristan Foldesi a signé une première victoire cette saison en fun, tout en s'offrant une belle 6e place au classement général.
Mais en terminant au troisième rang de la catégorie, c'est bien la 415 Club Sport Racing by Allure de Marnik Batren, Johan Huygens et Koen De Wit qui s'empare de la couronne fun. Le titre dans le classement pur, soit les pilotes qui n'ont que la VF Fun Cup comme expérience, a été indécis jusqu'au bout. Alors qu'elle menait la danse, la 278 Acom Racing des leaders du championnat, Manu Nava, David Doutrepont, Anthony Rosa et Stéphane Charlier, a tout perdu suite à une sortie de piste. Tout profit pour la 280 d'AC Motorsport, déjà vainqueur aux 25 heures, Arnaud Quédé, Benoît Arnaudet et Sébastien Morel ont fait coup double à Assen en remportant la course et le titre. Enfin, saluons le sacre du Jussi Racing avec Jürgen Vermeulen, Chris Van Baal, Diederik Seissens, Hans de Ketele et Sigrid Maas dans la catégorie Evo 2 des moteurs TD. C'est fini pour cette passionnante saison 2019. Les plus fun des coccinelles de course vont désormais rentrer dans leur traditionnelle période d'hibernation. Mais 2020 est déjà dans toutes les têtes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.